Louvain-la-Neuve aurait séduit l'humoriste qui disait « Les villes seraient tellement plus agréables si elles étaient construites à la campagne ». La plupart des étudiants sont sensibles à l'environnement campagnard de la nouvelle université. Certains l'apprécient au point d'être venus s'installer ici avant tout le monde, comme des pionniers. C'est le cas des étudiants du cercle industriel qui, tout en vantant largement les avantages des nouvelles installations, distinguent tout de même certains inconvénients. Il faut distinguer les inconvénients entre inconvénients pratiques et inconvénients psychologiques, je dirais. Les inconvénients pratiques, c'est qu'on va être dans un cadre, disons, de chantier, et c'est parti pour 8 ans de chantier tout autour de nous. Ce sera peut-être pas très agréable, mais on se demande un peu comment les gars vont réagir quand ils seront plongés dans ce milieu-là. Les inconvénients psychologiques, à mon avis, c'est que les types de, par exemple, tous les étudiants qui restent à Louvain ne sont pas suffisamment dans le coup pour être emballé quand on va à Louvain, qu'on parle avec ces gars-là. Ils ont toujours l'impression qu'on s'ennuie ici, qu'on va dans un bourbier, que ça va être lamentable. Alors que s'ils venaient voir de plus près, ils se rendraient compte qu'il y a un esprit progressiste qui est assez contagieux. Comment pourriez-vous définir ce nouvel esprit ? Essentiellement, plus de participation. Le mot est un peu galvaudé, participation, mais enfin, c'est quand même à ça que ça revient en définitive, de participation étudiante à l'enseignement, aussi bien dans ce qui concerne sur la programmation de l'enseignement que les cours eux-mêmes. C'est que c'est surtout question de programmation, les étudiants auront leur mot à dire dans la façon dont les cours sont donnés, dans les cours à donner, les laboratoires, tout ça. En gros, qu'espérez-vous de cette nouvelle université ? Enfin non, ce qu'on espère, c'est créer une sorte de nouvelle vie communautaire, quelque chose de plus poussé qu'à Louvain, étant donné qu'à Louvain, on s'enlisait un peu dans les habitudes, les traditions, l'esprit communautaire, je trouve, diminuait. Ici, on profite du changement de cadre pour améliorer cet esprit-là aussi. En tout cas, l'esprit qui règne ici en ce moment est générateur d'enthousiasme et de dynamisme. Au départ, les étudiants et les autorités universitaires ont eu à vaincre, entre autres choses, l'inquiétude des habitants des villages avoisinants qui ne voyaient pas sans appréhension s'installer ici un campus universitaire à proximité de leur domicile. Finalement, ce sont les étudiants étrangers qui se sont chargés de nouer les premiers liens avec leurs futurs Parce voisins. Il y avait pas mal de gens qui avaient des appréhensions sur les étudiants étrangers. Alors, au lieu de laisser planer ce mystère, on avait voulu prendre un contact direct. Pour les étudiants étrangers, c'était une occasion de voir comment les Belges vivaient. Et aussi pour les autres, les Belges, c'était l'occasion d'avoir un apport direct des étudiants étrangers. Qu'est-ce que vous avez fait ? On avait organisé ensemble, en collaboration avec la population des gens de Mont-Saint-Guibert et les relations extérieures de l'université, toute une semaine pour les étudiants étrangers, où on avait présenté des expositions d'œuvres d'art. On avait fait des activités sportives, entre autres un match de football, une soirée folklorique, une soirée dansante. Tout ça pour essayer de prendre un contact direct. Les gens de la population nous avaient accueillis, disons, chez eux, chacun hébergeant un ou deux étudiants, disons, suivant ses possibilités. Et puis après, nous avons invité à Louvain. Nous avons essayé plus ou moins de les accueillir à notre manière en faisant un match de football. Enfin, c'était en quelque sorte une revanche, parce qu'ils nous avaient accordé une revanche là-bas à Louvain, et puis après on les avait accueillis dans nos locaux du Centre international. On avait essayé plus ou moins de les divertir de notre manière. C'était assez concluant. On espère que ces contacts vont se poursuivre. On construit une nouvelle ville, mais on a tout de même voulu préserver et conserver le site et en particulier les fermes anciennes. Une des plus belles, la ferme du Biérot, date du XVIIe siècle. Les professeurs avaient espéré en faire leur faculty club, mais avant tout le monde, un groupe d'étudiants, de futurs ingénieurs, s'y sont installés à la force du poignet, en quelque sorte. Je vous l'ai dit, l'atmosphère est très décontractée à Louvain-la-Neuve. Dire qu'on l'a obtenu facilement, je crois pas que c'est tout à fait vrai. Disons qu'il avait été décidé par l'université que cette ferme serait conservée pour son caractère et qu'à partir de là, il y a différentes personnes ou différents services qui ont essayé de l'obtenir. Ce qui a amené que, pour terminer, ce sont des étudiants qui l'ont obtenu. Et la raison, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de subside pour l'aménager et que, disons que pour l'université, c'était une bonne solution. Que des étudiants l'occupent provisoirement parce qu'ils allaient la restaurer et c'était la seule solution possible. Qu'est-ce que vous avez l'intention d'en faire ? Mais disons qu'on veut en faire un cercle culturel, c'est-à-dire qu'on veut y passer ici différents ateliers créatifs qui soient à la portée de tous parce que disons qu'on pense que la culture, ce n'est plus le grand spectacle de diffusion avec ouvreuses, frisco, crème glacée, etc. Vous vivez à combien ici ?
On vit, c'est-à-dire qu'on loge à 7 personnes, mais on a un groupe d'une quinzaine, mais il n'y avait pas possibilité pour tout le monde de loger dans le corps de logis qui se trouve derrière. Et ça ne vous donne pas un peu l'impression que vous allez faire bande à part par rapport aux autres qui seront sur le campus? Bon, je ne crois pas. D'abord, ici dans la ville, on est à 3 minutes du centre actuel. Et puis, justement, on a un esprit d'ouverture, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des spectacles, etc. Et je crois que tout le monde va passer ici. C'est ça. Vous faites bon ménage avec M. Roussel, qui est l'ancien propriétaire de cette ferme. Je crois que ça ne fait pas de problème, mais je préfère que ce soit lui qui le dise. M. Roussel, ça a dû vous changer quand même. Vous êtes un vieux célibataire, on peut dire. Maintenant, vous êtes drôlement entouré de jeunes. Quelle impression, quel effet ça vous fait? Bien, on pense à sa jeunesse, n'est-ce pas? Au revoir, ça. Et vous restez là encore pendant un moment? Oh, ben, un certain temps, n'est-ce pas? J'aime pas de rester dans les pieds des autres, n'est-ce pas? Non, mais ça vous plaît de vivre avec ces jeunes? Très bien, très bien. Est-ce qu'ils vous apprennent quelque chose? Ah, il y a toujours à apprendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Ah bien, ils nous apportent, comment dirais-je, l'habitude du standing des étudiants. Ça vous change fort? Non, pas du tout. Vous passez vos soirées avec eux? Parfois. Et vous, qu'est-ce que vous leur apportez? Pardon? Vous, qu'est-ce que vous leur apportez? Vous leur apprenez certaines choses? De quoi parlez-vous? Nous parlons principalement du campus et de l'université, n'est-ce pas? Vous ne parlez jamais de politique? Non, jamais. Ce qui m'a réjoui très fort, c'est de voir un esprit, comment dirais-je, la fraternité et l'égalité réelle.